Welcome to the Otto interview. 1. Can you send the artist some fun questions? 2. They choose their filming method of choice. 3. Guys, be creative, do whatever you want and send it back. Otto interview Solwax. Bonjour, Combini.com. C'est mon frère Dave. Bonsoir, tout le monde. Dave, première question. Techno rime avec. Smegmo. Ok. Est-ce que Solwax pourrait sortir un disque de reggae? Oui, on pourrait. Arrow, do you think we could ever release a reggae record? Yeah. Ok. Citez un point commun entre Too Many DJs et Grandmaster Flash. On prend les meilleurs bouts des morceaux qu'on aime et qu'on les mélange. Mimez votre insulte favorite sans le nommer. Vous avez réalisé le faramineux projet Radio Sowax. 24 heures de mix audio et surtout vidéo avec les pochettes de disques que l'on entend qui s'allument. Comment vous êtes venu cette folle idée? C'était après quelques bouteilles de vin. C'était pas vraiment une bonne idée. Quelle heure des 24 a été le plus dur à réaliser? Le plus dur pour réaliser? Into the Vortex. C'était le plus dur pour faire l'audio et aussi pour faire la vidéo. Avez-vous déjà des idées pour le prochain projet, un nouvel album avec vous nu en hologramme sur la pochette par exemple? Oui, ça c'est l'album reggae qu'on a parlé et ça va être produit par Harold Alkin. Harold, yeah. Would you mix it naked? That's the question. To. Yeah. Okay, cool. It's an exclusive. Okay, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Choisissez votre camp. Oh, come on, Dave. Easy. Slayer. Qui est, selon vous, le DJ le plus intéressant du moment? Harold Alkin. Hello? OK. Préférez-vous boire 10 bouteilles de Tabasco d'un coup ou jumper sur le morceau Jump Around jusqu'à la fin de temps? La fin de temps? Des ça, temps. C'est long. Jusqu'à la fin de temps. Si tu aurais dit jusqu'à la fin de la nuit, ok, jump around, mais la fin des temps, c'est trop long. Quel est le sens de la vie? De reproduire. Ce soir, c'est la Sowax Mess. Qu'avez-vous prévu d'offrir à vos amis? Comme vous voyez, des boissons, des champignons, des Red Bull, c'est pas énorme. Avant de se quitter, quelle était l'insulte que vous avez mimée au début de l'interview? Ah, bah c'était fuck you. Merci.